bien le bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, mais pas d'achat. Non, pas de vide-grenier, pas tout ça. Moi là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur. Et je trouve que c'est un jeu qui n'a pas eu sa grandeur que ce jeu nous donne. C'est assez incroyable, je trouve que le jeu est très original, il est très marrant, franchement il est plutôt bien fait et le gameplay est très appréciable. Franchement c'est un jeu, j'ai tout de suite adhéré, c'est un truc de fou et c'est très rare quand des jeux comme ça, d'un claquement de doigts, adhèrent à moi. C'est compliqué, hein. Relationnel entre jeu et moi, ça a l'air d'être un beau bordel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce jeu magnifique qui est simplement le jeu Overlord sur 360. Donc ce jeu est le suivant. Overlord sur 360, vraiment très appréciable, c'est très très cool. Moi j'adore déjà la jaquette, elle me fait envie, mais de fou, voilà, de fou folie, voilà donc. Donc on répand le mal, alors je vous explique qu'est-ce que Overlord. Overlord en fait, vous êtes clairement le mal, pour le moment ça va, et vous devez conquérir les mondes, être le mec le plus badass. Donc en tant qu'homme badass, vous avez de grosses couronnes et vous allez du coup envahir les villes, les villages, pour avoir une certaine souveraineté et être le roi tout simplement de tout, finalement, de tout. Mais en étant un overlord peut faire le bien ou le mal. Bon, il y a beaucoup de gens qui font le mal, hein. Franchement, il y en a, ils se font vraiment plaisir, hein. On se demande pourquoi. Donc, nous allons, dans cette aventure, être avec Monsieur Biscornu, voilà. C'est être totalement dégueulasse, abject, tel un vieux larbin qui est tout simplement le bras droit de l'Overlord, celui qui a aidé, entre guillemets, à la naissance de celui-ci. Parce qu'un Overlord, en fait, je vous explique tout simplement, quand il meurt, un autre survint. Monsieur Biscornu, du coup, va l'aider à être le mal, à faire un peu ce qu'il veut et surtout à reconquérir ses pouvoirs. Parce que quand tu commences, l'Overlord, il a zéro power, à part juste la domination des larbins. Et les larbins, c'est ce qui fait tout le jeu, en fait, tout simplement. Vous allez avoir différentes factions de larbins, d'accord? Évidemment, avant de les acquérir, il faut aller chercher les incubateurs. Les incubateurs, c'est ce qui permet, évidemment, la production de larbins. Les larbins, c'est de ce style-là. De style là, ça aussi, voilà, c'est à peu près ça. Des petits gobelins très très très, franchement, ils sont super drôles, je trouve qu'ils ont des moves et tout, super intéressant. Le gameplay est très cool, donc en fait, l'Overlord va dire par exemple à son larbin d'aller faire telle et telle tâche, attaquer tel et tel monstre, voilà, il peut faire pas mal de choses. Donc dans ces larbins, vous avez 4 en fait catégories. Vous avez les larbins bruns. Les larbins bruns, c'est tout ce qui est, vous savez, attaque corps à corps, vraiment un truc bien brutal, c'est de la force brute, tout simplement. Vous avez les larbins rouges, qui sont, qui lancent des boules de feu, d'accord, et qui peut évidemment éteindre des incendies. Ça c'est très très bien, ça. Troisième larbin, vous avez les verts, qui sont, pour moi, mes préférés, pas parce qu'ils sont verts, parce que c'est ma couleur préférée, mais parce que en fait c'est un peu comme des assassins, ils bondissent en fait à, derrière le dos des gens et ils les tabassent avec des griffes à la Wolverine, voilà tout simplement, et ils peuvent évidemment enlever le poison de certaines zones, qui est vraiment très intéressant comme pouvoir. Les quatrièmes, ce sont les larbins bleus, qui sont très très intéressants et très utiles, parce que les larbins bleus en fait ils peuvent c'est comment on dit le mot déjà, tu revis revivre vos larbins. Donc dans les batailles, ça peut être intéressant d'avoir quelques larbins avec vous pour qu'ils aillent du coup sauver quelques-uns d'entre eux. Ça, c'est très très intéressant. Et ils peuvent quoi aussi? Ils peuvent aller dans l'eau. Bah oui, parce que vous avez évidemment des zones où vous n'allez pas pouvoir y aller sauf vous-même et du coup les larbins bleus, tout simplement. Donc ces catégories-là sont super importantes. Vous avez un enjeu un peu stratégique, c'est-à-dire que si vous prenez des larbins bruns, donc pour la force, les guerriers, et par exemple des larbins rouges, imaginons, vous pouvez faire en sorte de les mettre à un point de la map, par exemple sur un haut de colline, et vous avez des ennemis en fait au sol, vous pouvez mettre vos larbins rouges directement dessus, pendant qu'ils font du dégât à distance, et vos larbins arrivent directement dessus. Voilà, par exemple, c'est une stratégie à faire, et c'est comme ça que fonctionne le jeu, en fait. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos
larbins. Hein, voilà, le principe des larbins, c'est bah, ils font un peu ce que tu veux, quoi, finalement. Donc, j'adore ce jeu, je le trouve super intéressant niveau gameplay, super drôle parce qu'il y a plein de petits moves, de petites paroles très très drôles, vous allez voir. Franchement, je vous conseille vraiment de le faire, ce jeu-là, il est vraiment topissime. Apparemment, il y a même un petit mode multijoueur que je n'ai malheureusement pas fait parce que bah, les serveurs sont down. Donc voilà, c'est bien dommage. Mais franchement, très très cool parce que vous allez avoir évidemment des choix moraux, entre guillemets, évidemment, soit le bien, soit le mal. Hein. C'est très manichéiste tout ça. Mais vous allez aussi avoir des petites scénettes un peu sympas, du genre, bon, bah il faut reconstruire votre tour aussi, votre tour qui est un peu votre symbole de puissance. Donc vous allez pouvoir la customiser, aller chercher aussi une dame qui puisse s'occuper de vous-même et de votre tour. Ça, c'est très important pour ceux qui l'ont fait. Hein, voilà, il y a deux personnes. Je sais pas qui vous avez choisi entre... voilà, je vais pas le dire parce que sinon ça va être trop spoilé. Mais c'est très très cool, franchement c'est très intéressant comme jeu. Et donc je faisais référence tout simplement à Pikmin, parce que clairement Pikmin c'est pareil, vous avez des Pikmin de couleurs différentes qui font des choses totalement différentes et vous les mettez comme vous le souhaitez. Et le jeu en fait ressemble un petit peu à ça. Pour moi c'est un peu le précurseur, entre guillemets bien sûr, juste de la façon de gameplay. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est trop trop cool et c'est vraiment très plaisant parce que vous allez quand même avoir des petites difficultés, c'est ça aussi le jeu, c'est normal, sinon si on n'aurait pas ce serait pourri à chier, mais cette petite difficulté vous permet aussi de réfléchir comment vous allez pouvoir interpréter vos larbins, et est-ce que j'ai pris assez de larbins, est-ce que j'aurais dû prendre ces larbins-ci, etc, etc. Ça c'est un jeu vraiment top et je le recommande, voilà, je vous le dis, hein. c'est un petit jeu que j'adore, j'ai fait les deux, il y a même des DLC parce que oui, il y a un Overlord, mais vous avez aussi le deuxième Overlord. Alors j'adore, regardez-moi ces jaquettes, je suis pas, je... Moi j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup ce genre de jaquette. Puis on voit bien que les larbins sont en premier plan, c'est normal, parce que grâce aux larbins, vous pouvez à peu près tout faire. Sans eux, vous pouvez rien faire. Vous êtes un Overlord qui a peut-être certains pouvoirs que vous allez acquérir tout au fil de l'histoire, mais sans ça, sans vos larbins, vous êtes rien du tout. Clairement, on va pas se le cacher, et c'est vraiment très très intéressant, j'adore. Et un autre petit détail dans le jeu qui est très très cool, que moi j'ai totalement apprécié, c'est que vos larbins peuvent être équipés, et plus ils sont équipés, plus ils vont devenir bien plus forts. Donc, quand vous allez par exemple piller un village, vous mettez tous vos larbins à l'intérieur d'une petite maisonnée, il va tout saccager, il va prendre tout l'or évidemment, parce que l'or va vous permettre aussi d'acquérir des choses pour votre tour, mais il va pouvoir s'équiper, et c'est ça qui est trop drôle, c'est que il s'équipe de tout, c'est-à-dire que s'il tue des rats, ils vont mettre un petit couvre-chef rat, ils vont trouver des faucilles, enfin voilà, plein de choses en fait qu'ils vont pouvoir vraiment se mettre en mode armure, et ça c'est trop trop cool, je trouve ça super intéressant. Voilà, donc ce jeu là je vous le conseille énormément, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer, parce que moi c'est un peu mon principe, c'est voilà, de vous faire partager comme ceux des anciens qui connaissent les connaissez-vous. Là ça va être des petits formats que je vais faire parce que bah, ça me plaît d'en parler, parce que je kiffe vraiment ces jeux là ils sont super intéressants. Donc ils sont aussi sortis sur PS3, d'accord, les Overlords sont sortis sur PS3, également sur DS et Wii. Donc ça aussi c'est deux jeux qui sont un peu plus différents mais qui restent dans le même principe et les gameplays sont top. Franchement sur DS vous êtes par contre plus des larbins que l'Overlord et sur Wii vous allez plus connaître la jeunesse de l'Overlord. Vraiment très très bon jeu, je vous les conseille fortement. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, ce petit contenu assez rapide. Moi, je surkiffe, voilà, et du coup, je vous les conseille fortement. Je vous parle pas ceux de PS3, mais avec il y a trois petits DLC avec le Rising Hill. C'est à vous de découvrir, d'accord? Après cette vidéo, n'hésitez pas, franchement, à vous renseigner sur les gameplays et tout. Jouer, c'est important, c'est trop cool. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien faire des petits formats un petit peu plus sympas comme ça, voilà, pour vous faire découvrir ce genre de petits jeux-là. Je vous présente ça en mode un peu grossier, mais bon, c'est comme ça que je présente, c'est un peu ce que je suis. Très très grossière finalement. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à la prochaine, c'était la Traqueuse.